Candidate numéro 7, mesdames, messieurs, sur la scène du Grand Théâtre, je vous demande d'applaudir chaleureusement Noémie Dubois. La voix de Noémie Dubois, notre candidate numéro 7. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. En pleine forme, détendue, ça oui, y est ? Oui, ça va. Ça, c'est fait Noémie. Noémie, on va parler d'une période de ta vie qui a été un petit peu compliquée. Tu peux nous en parler ? Oui. Vas-y, viens avec moi. Voilà, juste ici. Alors, j'ai vécu des années assez difficiles au collège puisque j'ai eu du harcèlement scolaire. Ouais. Mais la musique m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi et de m'aider. Donc, croyez toujours en vos rêves et croyez en vous, c'est vraiment important. C'est ça, c'est cet épisode malheureux qui t'a donné envie de chanter ? Oui, ça m'a vraiment donné beaucoup de force pour continuer. Bon, ça c'est le point positif, on va retenir ça évidemment. Tu as essayé plein d'instruments. Je suis très curieuse. Alors, dis-moi, parce qu'il y a des trucs sympas. Donc, j'ai eu ma première guitare à 6 ans, après j'ai voulu avoir un piano, un ukulélé, une basse, une batterie, et j'ai tout appris toute seule. Bon, t'as tout essayé ? Oui, j'ai tout essayé. Et aujourd'hui, tu t'es arrêtée sur quoi ? Rien. Un peu tout, oui. Je m'amuse. Bon, tu postes tes reprises musicales sur les réseaux. Tout à fait, oui. Tu as une page, un truc ? Oui, donc vous pouvez me suivre sur TikTok, Instagram et Twitter. Ouais. Et j'ai ma chaîne YouTube également. Eh bien, super, voilà, tout est dit. Caroline, sur la prestation de Noémie, s'il vous plaît. Bonsoir, Noémie. Bonsoir. Bravo, encore une jolie voix ce soir. J'ai apprécié vraiment le timbre de ta voix qui est un peu cristallin, comme ça, dans l'aigu. C'était tout en douceur. En même temps, le sujet fait que cette chanson est douce quand même. Alors, la difficulté peut-être avec ce genre de sujet, c'est que du coup, pour occuper l'espace scénique, c'est pas évident. Voilà, c'est peut-être juste le petit bémol que je mettrais, parce que j'ai trouvé vraiment ta prestation très, très jolie, très charmante, mais tu peux
tu peux pas occuper l'espace d'une manière énergique, puisque le sujet est un peu compliqué pour ça. Voilà. Tout à fait, oui. Mais bravo. Merci beaucoup. Et puis, c'est pas l'espace qui manque là, sur la scène, mais là, on en a de la place. Nicolas, vos impressions, tes impressions sur la prestation de Noémie, s'il te plaît. Déjà, bonsoir Noémie. Bonsoir. Moi, je vais juste revenir sur la dernière phrase que tu as dit. Tu m'as dit, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Moi, dans le sport, bah, c'était la même chose. Donc, c'est vrai que là, je m'y retrouve dans ta façon de voir les choses. Et puis, de se mettre comme ça en confrontation devant le public. Après, moi, je ne peux pas, vu mes grands talents de chanteur, je ne dirai rien sur ce côté critique. Moi, je peux dire que tu as une belle voix. J'ai trouvé super douce et très, très claire et fluide dans ta façon de chanter. Quoi. C'est très gentil, merci. Merci beaucoup Nicolas, merci à nos membres du jury et merci donc à Noémie que l'on retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup. Noémie.